qu'on peut célébrer le roi de gloire dans ces lieux? Je dis célébrons-le, célébrons-le. C'est un grand moment de célébration, de reconnaissance. Dans son palais, tous écrit gloire. Nous allons jeter nos couronnes à ses pieds. Nous allons reconnaître qu'il est Dieu, qu'il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable. Nul ne comme notre Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu? On y va. Yeah. Je veux voir tous les amoureux de Dieu célébrer l'Éternel. Je prie que pendant que tu les célèbres, que les chaînes tombent quand ton Dieu te visite. On y va. J'ai besoin de voir quelques David ici. Quelques personnes qui savent que je ne danse pas devant les hommes, mais je danse devant Dieu qui va m'élever au-dessus. Ah! David a dit à sa femme, comment elle s'appelait la femme de David? Mika. Il dit à Mika, écoute, je ne danse pas devant les hommes. Je danse devant Dieu qui m'a élevé au-dessus de ton père Saül. Quelqu'un a besoin d'être élevé ce soir, ce matin, par le Dieu d'Israël. Tu vas commencer à le célébrer. On y va. Encore bien, acclamer. J'acclamerai le nom du Seigneur.
nous n'en chantons pas, nous adorons ce Dieu. Et nous reconnaissons que nul n'est comme lui. Qu'il n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal. Et ce matin encore, nous voulons lui dire que tu es tout pour nous. Nous voulons lui dire que tu es l'air. Cette terre que je respire, on y va. Reçois la gloire. Dira Jésus ce soir, je t'en besoin de toi, je ne peux vivre sans toi.
on y va, adore-le, 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 adore-le. Élève ta voix et parle, parle, parle à ce Dieu-là. Quand tu manques les mots. Je ne sais pas comment t'adorer. Les mots me manquent ce matin. Les mots me manquent. On y va. Tous les adorateurs, on y va. Parlons à notre Dieu un langage d'amoureux. J'ai envie de dire quelque chose, des paroles pleines de charme bouillantes dans mon cœur. Partout dans la salle, les amoureux, on y va. Nous l'acclamons encore une fois de plus et nous poussons des cris de joie dans sa présence.
Merci Seigneur. Nous reprenons nos places dans sa présence. Nous reprenons nos places. Pendant que tu es assis, ferme un peu tes yeux. Merci Seigneur. Élève les mains vers lui. Tu es digne, Seigneur. Contemple les mains levées. Partout dans la salle. Ok, une minute. Je demandais que le protocole puisse calmer les gens qui sont en train. Tout à l'heure, on priera pour les gens, on verra la démonstration de Dieu. Mais je veux que les gens puissent se concentrer sur Dieu. Tout le monde se concentre sur Dieu. On arrête les cris au nom de Jésus. Tout le monde se concentre sur Dieu. Tout à l'heure, on priera pour les gens, on laissera Dieu se glorifier. Mais maintenant, tout le monde se concentre sur Dieu. Les mains levées vers notre Dieu. Merci, merci. Toute l'assemblée. Je suis convaincu qu'il n'y a aucune maladie qui va résister à Dieu ce matin. Aucun démon de l'enfer ne résistera à Dieu ce matin. Mais d'abord, nous lui rendons la gloire. Les mains levées vers lui. Mon Dieu, nous reconnaissons que tu es Dieu. Ce matin, mon roi, règne dans ces lieux et révèle-toi. Le lion de la tribu de Juda, fais la différence, mon roi, fais la différence. Au nom de Jésus. Digne.
Quelqu'un est en train de toucher ce Dieu maintenant. Quelqu'un est en train de toucher ce Dieu-là. Ah, ah, ah. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. 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 Oh Jésus, merci. Merci. Demande à tous ceux qui sont encore debout de bien vouloir prendre. Oui, on va tous, nous allons tous nous asseoir. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous croyons vraiment que ces temps sont des rendez-vous puissants où Dieu veut non seulement nous informer, mais nous transformer, nous catapulter vers les choses qu'il a prévues pour nous. Quelqu'un dit un bon amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie mon frère, le pasteur Ivan Castano, le visionnaire de cette grande œuvre. Est-ce que nous pouvons vraiment honorer le Seigneur pour sa vie? Attendez, pardon. En tout cas, moi, je préfère quand on honore quelqu'un, on se lève quand même pour honorer. Est-ce que nous pouvons nous lever et honorer l'homme de Dieu, le visionnaire de cette grande œuvre? Bénissons le Seigneur pour sa vie. Je dis bénissons le Seigneur pour sa vie. Ah! La Bible nous demande d'honorer les hommes qui honorent Dieu. Et je voudrais aussi en profiter, prendre l'occasion pour honorer la femme de Dieu, pasteur Maud. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Pasteur Maud, sois béni, que Dieu te bénisse. Vous faites une œuvre glorieuse et nous vous bénissons. Au nom de Jésus, soyez bénis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et donne à quelqu'un un high five pendant que tu reprends ta place. Tu lui donnes une bonne gifle, tu lui dis bienvenue dans la présence de l'Éternel, Dieu est là. Une bonne gifle. Voilà, une bonne gifle. Tu dis le pasteur a permis, gifle. Et ce matin,
Toujours sous le titre le thème de la conférence, vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu, ou bien qui manifeste sa gloire, je voudrais vous parler d'un sujet important. Je vais le débattre en deux sessions, donc ce matin et puis demain matin. Je vais vous parler d'être amoureux de Dieu, qui est la clé pour manifester sa gloire. Et j'ai amené quelques ouvrages qui vont vous aider vraiment à intensifier votre amour pour Dieu. Mais une chose que je voudrais vous dire d'office, et retenez ce principe, tu ne peux pas manifester ce que tu n'as pas. Donc, nous allons quand même, par la grâce de Dieu, étudier et comprendre, ou bien nous amener au point où nous sommes conscients que nous avons la gloire de Dieu pour la manifester. Je répète, tu ne peux pas manifester une chose que tu n'as pas. Ce qui fait que c'est important d'abord de comprendre que tu as cette gloire-là. Comme ça, tu peux comprendre comment la manifester. Et une autre chose, c'est que la gloire de Dieu, comme toute autre chose, non seulement tu dois savoir qu'elle est en toi, mais aussi tu dois comprendre comment faire pour l'activer et manifester. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors nous prions vraiment que Dieu nous fasse grâce de maximiser le temps. Et donc je vais donner beaucoup d'informations qui, par la grâce de Dieu, je crois, ils vont nous transformer. On ne sera pas simplement informés, mais nous serons transformés. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le but vraiment de mon message est de vous énerver. Si j'arrive à vous énerver aujourd'hui, j'ai vraiment atteint mon objectif. Vous énerver, vous provoquer à être des amoureux et passionnés de Dieu. Résolus, prêts à payer n'importe quel prix pour expérimenter un autre niveau de la gloire de Dieu. Il faut que tu sois énervé, fâché de là où tu es. Il faut que tu commences à haïr là où tu es pour passer à un autre niveau. Aussi longtemps que tu aimes là où tu es, tu n'as pas besoin d'un autre niveau. Mais si là où tu es, ça t'énerve, si là où tu es te dérange, ça veut dire que tu es prêt pour un autre niveau. Dis à quelqu'un, je sens déjà que je suis énervé. Oui, si tu n'écoutes pas, trouve quelqu'un d'autre derrière, tu lui dis, regarde-moi bien, je sens déjà que je suis énervé, je sens déjà que je suis énervé. Oui, oui, donc comme je vous ai dit, j'ai amené beaucoup de matériel qui vont vraiment vous énerver encore plus. Vous pousser à chercher Dieu avec tous ses clients en vous. La gloire de Dieu est un sujet qui m'intéresse beaucoup, particulièrement. Et j'ai un verset prophétique qui m'a toujours servi de base pour l'enseigner. Et je voudrais qu'on puisse débattre ce verset-là ce matin. Je vais toucher quelques points pour donner un background de ce que je vais enseigner demain. Agé chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Dis encore un bon amen. Elle me dit, dit l'Éternel, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Il y a trois choses que nous voulons retenir dans ce passage. Trois choses que je veux qu'on puisse retenir. Un, c'est que la gloire de Dieu est toujours associée à une maison. C'est très important de comprendre que la gloire de Dieu a besoin d'être localisée. Elle est associée à une maison. Le psaume 26, verset 8 dit, « Éternel, j'aime le séjour de ta maison et le lieu où ta gloire habite. » Donc la gloire de Dieu est toujours associée à une maison. Elle se manifeste dans une maison ou bien elle est localisée. Ce qui fait que quand les gens ont besoin de voir la gloire de Dieu, ils vont la voir à travers une maison. Nous sommes ensemble jusque-là. Je prie que ta vie devienne vraiment une habitation de la gloire de Dieu. Dis un bon amen. Quand les gens auront besoin de voir la gloire de Dieu, ils peuvent venir voir ta vie et ils voient la gloire. Il ne faut pas m'énerver. Cette maison donc va servir à Dieu. Va servir à Dieu de quartier général, de siège ou de lieu, d'endroit à partir duquel il peut opérer, se révéler, se laisser découvrir ou se manifester. Donc la maison devient l'endroit ou le quartier général
à partir duquel Dieu peut commencer à se révéler. La gloire est donc localisée. Elle vient à partir d'un endroit pour se manifester dans une région ou un territoire. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc Dieu a besoin d'un endroit à partir duquel il peut se positionner et commencer à se révéler. Mais il a comme besoin d'une adresse. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. C'est pour cela que Dieu exige à Israël de lui bâtir une maison. Il dit dans Exode chapitre 25, ils m'élèveront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu dit à Israël, si vous voulez que je sois au milieu de vous, que je me manifeste, je ne peux pas être juste là comme ça. Donnez-moi un endroit, à partir de cet endroit, je peux commencer à révéler qui je suis. Faut vraiment suivez-moi de près. Dieu a besoin d'un quartier général à partir duquel il peut manifester sa gloire. Moi, je comprends pourquoi tu es sauvé dans ta famille. Parce que Dieu a besoin de quelqu'un qui peut positionner. Il ne faut pas m'énerver. Il a besoin de quelqu'un qui peut positionner dans ta famille et déranger tous les sorciers de ta famille. Aussi longtemps que tu es dans cette famille-là, parce que toi, tu es dans cette famille-là, Dieu peut alors être au contrôle. Ah. Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » Non, bien aimé, habiter, c'est différent de visiter. Habiter, c'est quand j'amène tout ce que j'ai et j'aménage. Vous me comprenez? Quand je visite, je n'amène pas tout. Mais quand j'habite, j'amène tout. Alors Dieu dit, je veux amener tout et habiter. Est-ce que nous sommes ensemble? Et puis il dit, alors, dès que j'aurai habité, je pourrai marcher au milieu. Qu'est-ce que marcher veut dire? Marcher veut dire fonctionner, opérer, agir, exécuter, manifester. Donc Dieu dit, vous me donnez un endroit, comme ça je peux marcher, comme ça je peux me révéler, comme ça je peux exécuter. Ah Seigneur, aide-nous. Dieu veut exécuter des choses, mais il a besoin d'abord que tu lui donnes une maison. Nous voyons aussi combien une maison est importante pour Dieu. Il ne peut se manifester sans une maison. Sa gloire doit être accommodé dans une maison avant qu'elle ne se manifeste. Est-ce qu'on peut répéter après moi? La gloire de Dieu doit être accommodée dans une maison avant de se révéler. Donc Dieu cherche d'abord une adresse, un endroit où il peut poser ses pieds avant de se révéler. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. Deuxième chose que nous devons retenir, c'est que la gloire est mesurable. Elle a une intensité, une amplitude, une magnitude. Tu peux l'avoir en petit ou en grande quantité. Nous sommes ensemble. La gloire de Dieu est mesurable. Elle a une intensité. Ah! J'allais dire, demande à ton voisin, quelle est ton intensité? Quelle intensité? Mais là, on laisse là. Mais bien aimé, réfléchis un peu à ça. La gloire de Dieu a une intensité. Elle est mesurable. Tu peux en avoir en grande quantité ou en petite quantité. C'est pour ça que la Bible dit que la gloire, dans ce passage, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire qu'il y a une intensité. Écoutez, je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire, avoir les choses en petite quantité n'est jamais une bonne chose. Quand tu cherches à avoir quelque chose, il faut avoir en grande quantité. Et spécialement la gloire de Dieu, tu dois tout faire pour avoir en grande. Ne te fatigue jamais de chercher la gloire de Dieu. Il faut toujours avoir en grande quantité. Ce que tu as, ce n'est pas assez, chercher plus. Dis un peu, je veux plus. Bien-aimé, la gloire de Dieu, tu n'en auras jamais assez. Il faut chercher plus. Dis encore, je veux plus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je veux plus? Bien-aimé, moi, je veux plus de la gloire de Dieu. Vous savez, avoir les choses en petite quantité, ça s'épuise vite. Ça ne peut pas impacter. Tu ne sauras jamais manifester une chose que tu as en quantité limitée. Parce qu'elle ne suffira que pour toi. Imaginez, dans ce verre, on a juste un peu d'eau. Tu peux secouer le verre, rien ne sort. Quand tu es en petite quantité, tu ne peux pas manifester. Dis un peu, je veux en grande quantité.
Si tu as une petite connaissance du piano et qu'on t'appelle pour venir nous aider ici, tu vas nous sortir des sons bizarres et même nous embrouiller. Tu peux dire que tu connais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais ça, ce n'est pas connaître en grande quantité pour être une bénédiction. Pour être une bénédiction, tu dois connaître comme mon frère là-bas. Avec les yeux fermés, il est en train de manifester la gloire. Sans réfléchir, il manifeste la gloire. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'il faut voir en grande quantité. En petite quantité, tu ne peux pas impacter. En petite quantité, ça s'épuise vite. Tu dois avoir en grande quantité. Ah. Ça me rappelle un jour, je suis parti avec un groupe d'amis. Nous sommes allés à la piscine nager. Et en route, tous les amis parlaient de comment ils savaient nager. Et puis, ils parlaient de leurs prouesses. Moi aussi, je commençais à parler de mes prouesses. Mais croyez-moi, je n'avais jamais vu une piscine avant ça. Mais comme tout le monde parlait, je me suis dit, je vais aussi parler. Tout ce que je sais, c'est être dans la salle de bain ou bien avoir et prendre une douche. Mais là, ce jour-là, je voulais faire comment, fitting, comme on dit en anglais. J'ai expliqué aussi comment je sais nager. La petite connaissance que j'avais, c'était d'observer les gens et de voir leurs mouvements à la télévision et peut-être aux Jeux Olympiques. Je me suis dit, bon, avec ça, c'est suffisant. C'est suffisant pour impressionner mes amis. Alors, on arrive à la piscine, je les vois tous plonger et ils me regardent. Imaginez, j'étais celui qui avait parlé le plus. Maintenant, ils attendent de voir mes prouesses. Ma petite connaissance de ce que j'avais vu à la télévision n'était pas suffisante pour les impressionner. Au point où, au lieu de nager, j'ai atterri dans l'eau comme une pierre. Je suis sûr que ce jour-là, j'étais vraiment, comment dire, un sujet de comment dire, sujet de, on dit sujet de, non, sujet de comment dire, chute ou de occasion. Voilà, j'étais une occasion de chute pour eux. Ils m'ont regardé, m'ont dit, mais tu as beaucoup parlé, mais tu n'as pas démontré ce que tu as. Bien-aimé, je voudrais vous expliquer que quand tu veux manifester quelque chose, tu dois l'avoir en grande quantité pour la manifester. Une petite quantité n'est pas suffisante. Et je voudrais vous dire, bien-aimé, pour notre monde actuel, on a besoin de démontrer une dimension de Dieu qui va choquer et scandaliser le monde. C'est ça dont le monde a besoin, une dimension qui va choquer. Dis un peu, grande quantité. Ouh. Vous savez, nous sommes impressionnés par le poisson. Nous voyons sa gloire dans l'eau, pas parce qu'il sait seulement nager, mais tu peux sentir que le poisson a une grande maîtrise de ce qu'il fait dans l'eau. Pas seulement qu'il sait nager, mais les choses qu'il fait dans l'eau, tu peux sentir qu'il y a une grande connaissance et maîtrise. Il peut nager, mais il peut même freiner. Et quand il freine, il faut voir les poissons, il avance, il freine, et puis à un moment, il commence à... Non, mais avec beaucoup de noblesse, tu sens qu'il y a une maîtrise. Bien aimé, dis un peu, grande quantité. Si nous voulons toucher ce monde avec la gloire de Dieu, nous devons implorer pour plus de Dieu. Demander plus et dire à Dieu, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Il y a encore mes tantes, mes oncles, mes amis, le quartier, le pays qui n'est pas encore sauvé. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus. Donne-moi plus. Dis un peu, donne-moi plus, donne-moi plus. Dis un peu, Seigneur, donne-moi plus. Donne-moi plus. Bien-aimés, nous allons prendre quelques 5-10 secondes. Nous allons nous lever et dire à Dieu, nous voulons plus. Est-ce qu'on peut faire ça? Quelques 10 secondes, Seigneur, nous voulons plus. Nous avons soif de toi et nous voulons plus. Mon Dieu, remplis les coupes. Remplis ces coupes, mon Dieu. Laisse que pendant cette conférence, mon roi, mon Dieu, que les vases se remplissent. Au nom de Jésus, élève ta voix et parle. On y va. Dis à Dieu, je veux plus. Je veux, mon Dieu, plus. Le quartier n'est pas encore sauvé. Le pays n'est pas encore sauvé. Mes frères ne sont pas encore sauvés. Mon cousin n'est pas encore sauvé. Mes amis ne sont pas encore sauvés. Je veux plus de toi. Plus ta révélation. Plus ta gloire. Plus tes miracles.
plus mon Dieu Père, plus mon roi, plus de signes et prodiges, plus, je veux plus. Est-ce que tu peux crier, je veux plus? Oh! Ah, nous reprenons nos places. Nous voulons plus, nous reprenons nos places. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Plus de la connaissance de Dieu, plus de sa gloire, plus des miracles, plus des signes, plus de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Dieu ne dit pas ayez l'Esprit seulement, il dit soyez remplis. Accumulez jusqu'au débordement, soyez remplis. David dit, tu as oint d'huile ma tête, ma coupe déborde. Bien-aimé, c'est quand ça déborde que le monde commence à voir. C'est quand ça déborde qu'il y a manifestation. C'est quand ça déborde que les gens commencent à voir qu'il y a Dieu. Dis un peu, je veux plus. Ah. Je dis que c'est quand ça déborde qu'on appelle. Ce qui déborde, c'est ce qu'on appelle manifestation. Je répète, ce qui déborde, c'est ce qu'on appelle manifestation. Tant que c'est en toi, on ne sait pas que c'est en toi. On ne touche pas, c'est en toi. On ne voit pas, c'est encore en toi. Mais il faut qu'à un moment, ça s'accumule. Ça s'accumule. Ça monte. Ça monte à un niveau où maintenant ça dépasse les bornes. Et ça commence maintenant à déborder. C'est quand ça déborde que les gens maintenant sont mouillés. C'est quand ça déborde que les gens commencent à sentir, hey, je sens quelque chose. Tu es passé, mais je sens quelque chose qui est resté. Tu as seulement dit un mot, mais je sens que quelque chose est là. Dis un peu que ça déborde. Dis, je veux le débordement. Je veux le débordement. Ah, que quelqu'un soit énervé ce matin. Dis, je veux, je veux, je veux, je veux. Seigneur, je veux le débordement. Je veux le débordement. Ah, Dieu promet le débordement. La troisième chose qu'on retient de ce passage d'Agé, ce que Agé essaie de nous expliquer, non seulement que la gloire de Dieu a besoin d'un hôte, d'une maison, mais il y a une maison qu'on appelle la dernière qui a la capacité d'accueillir une plus grande dimension de la gloire de Dieu. Agé essaie de nous expliquer que tout ce qu'on a vu jusque-là, l'eau séparée en deux, la nourriture, là, on ne trouve pas à manger. Du rocher le plus sec, l'eau est sortie. Un esclave qui va de l'esclavage à diriger tout un pays en Égypte comme Joseph. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Mais Dieu dit, c'est rien par rapport à ce que je vais faire dans la dernière maison. Dieu dit que c'est rien par rapport à ce que je vais faire avec toi dans la dernière maison. Ah, la dernière maison. Parlons de la dernière maison. Je saute certaines choses parce qu'il y a un point important que je veux toucher ici. Il y a eu plusieurs sanctuaires, plusieurs temples qui ont accommodé ou logé la gloire de Dieu. Mais quelle est cette maison dont Agé parle, qu'il appelle la dernière? La dernière maison dont Dieu parle, c'est l'homme. C'est toi. Dis un peu, c'est moi, je suis la dernière maison. Je ne sais même pas à qui parler là, parce que là, vraiment, ça me donne envie de sauter. Quand Dieu dit, tout ce que tu as vu jusque-là, c'est rien par rapport à ce que je vais faire avec toi. Dans cette génération, dans ces temps ici, dans ces derniers temps, dans ces derniers temps, dans cette... Ah, il dit dans ces derniers temps, bien-aimé, notre génération s'apprête à voir la manifestation des fils. Oh, notre génération, bien-aimé, cette génération, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Nous ici dans cette génération, nous verrons une gloire que le monde n'a pas encore vue. Je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. J'espère qu'il y a deux ou trois personnes qui croient avec moi. J'ai dit à Dieu, je refuse de mourir. Je dois voir ta gloire
comme on ne l'a jamais fait à vue avant. J'espère que tu crois avec moi. Les nations viendront servir Dieu. Bien-aimé, j'ai vu ça de mes yeux. Il y aura un temps. Les ambulances n'iront plus dans les hôpitaux. Ils vont en venir, les ambulances viendront. Ah! Wow! Hey! Les ambulances feront la ligne à la porte des églises. Ils vont dire, on a appris. Vous avez un Dieu qui guérit le cancer. On a appris. Vous avez un Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. On a appris. Vous avez un Dieu qui guérit le sida. Prenez-le, 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 prenez-le. J'espère qu'il y a quelqu'un qui croit en ça. Shekama Santa. Dieu va utiliser quelqu'un ici. Parce qu'il a dit, la dernière maison, c'est l'homme que j'ai créé. L'homme que j'ai créé, c'est ça ma dernière maison. Je suis allé de maison en maison. Maintenant, j'ai trouvé ma maison. L'homme que j'ai créé. Moi, je crois en ça. Les news, comment on les appelle? Nouvelles, comment on les appelle? Les informations, ils nous rendent plus chez les gangs. Non, non, non. Ils nous rendent plus chez les gangs. Pour filmer les dégâts, les meurtres. Non, non, ils vont venir à l'église. Pour voir les jambes pousser. Pour voir les paralytiques marcher. Ils vont venir à l'église. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Faites attention de l'enterrer très vite et de partir. Parce qu'il lui faut trois jours. Il lui faut trois jours. Il lui faut trois jours. On regarde l'église, on dit, mais ils n'ont rien. Regardez les bandes de gens qui ont perdu la tête. Ils n'ont rien de bon. Ils se réunissent, ils crient, ils poussent des cris et ils dansent. Mais ils ne savent pas que nous sommes en train de bâtir un hôtel. Nous sommes en train de bâtir un hôtel. Nous sommes en train de bâtir un hôtel. Bientôt ils vont voir. Bientôt ils vont voir. Nous sommes seulement en train de nous préparer. Nous sommes en... Oh! Hey! Nous sommes en train de nous préparer pour des grandes choses. Juste quand tu nous dis, ça c'est de moi qu'on parle. Le temple de Dieu, la dernière maison. Gifle, tu lui dis la dernière maison. Gifle quelqu'un, tu lui dis la dernière maison. Oh bien-aimé, Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. On saura qu'il y a Dieu quelque part. On saura qu'il y a Dieu en Israël. On saura qu'il y a Dieu à ICC. On saura qu'il y a Dieu à ICC. On saura. Réponds-le, passe. Wouh! Et ces derniers temps, ça va barder pour le diable. La dernière maison. Nous voulons parler de comment activer cette gloire. Parce que bien aimé, la gloire de la dernière maison va faire. La Bible dit ceci. Les vieillards, les fils et les filles. Les jeunes hommes, les femmes, les vieillards. C'est-à-dire que ce niveau de gloire va toucher tout le monde. Qui que tu sois, ne clôture pas vite ta vie. Ne te dis pas, j'ai maintenant 80, même à 80. Ne clôture pas vite les choses. Dis un peu la gloire de la dernière maison. Mets ta main sur la poitrine, dis la gloire de la dernière maison. Ça c'est quand la gloire, la dernière maison, c'est quand Dieu signale aux gens qu'il est là dans ta vie par des œuvres inouïes, des œuvres impensables, infaisables, inexécutables, inconcevables. C'est quand Dieu est dans ta vie, commence à montrer aux gens, attendez, je vais vous montrer qui est Dieu ici. N'est-ce pas que la Bible dit que les principautés et les dominations verront par
l'église, la puissance, la sagesse infiniment variée. Bien-aimé, infiniment variée. C'est-à-dire que quand tu penses que tu le connais, il fait quelque chose. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Quand tu penses que tu as compris, c'est Dieu. Quand on pense te dire non, ce sont des religieux. Le temps qu'ils finissent la phrase, Dieu fait une démonstration qui les rend confus. Ah, c'est quand Dieu devient à l'aise chez toi pour faire comme chez lui. J'ai bien parlé. Hein, j'ai bien parlé. Ah, c'est quand Dieu devient à l'aise chez toi pour faire comme chez toi. Ah, c'est ça la gloire. C'est ça la gloire. Chez lui, il n'y a pas de mots impossibles. Vous savez quoi, le diable est un menteur. Mon iPad vient de me faucher, comment me faucher compagnie. J'ai besoin. Quel internet ici? Mon iPad vient de me faucher compagnie. Connectez-moi, can you connect me? Ou bien iPad, ou bien laptop. Et ma clé USB. Amen, viens, viens. Bien aimé, on va finir cette histoire. Le diable est un menteur. Si vous avez un téléphone qui peut me connecter, je peux le prendre. Un téléphone avec un code, enfin, internet, comme ça je connecte sur mon iPad. Tu me connectes? Okay. Oui, connecte-moi vite. Connecte-moi vite. Ah, nous avons un bon Dieu. Bien-aimé, quand je pense aux choses que Dieu va faire, il va se glorifier. Ce monde saura qu'il y a un Dieu dans le ciel. Tous les sorciers de ta famille vont dire, mais attendez, jusque-là on était à l'aise. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Bien-aimé, aujourd'hui vraiment avant de partir, nous allons intensifier la prière. Nous n'allons pas sortir de ces lieux, pas dans cette conférence comme nous sommes venus. Non, non, nous voulons Dieu, nous sommes là pour ça. Nous voulons Dieu, nous voulons Dieu, nous voulons Dieu. Hey! Hey! Ah, mon Dieu, reçois la gloire. Reçois la gloire. Je peux avoir mon mouchoir, s'il vous plaît. Ah, je peux utiliser ça? Oh, ok, c'est bon. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus. Ouh! Jésus. Rien n'est plus beau. On y va. Rien n'est plus beau. Machakaya basayama. Jésus, reçois l'adoration. Reçois. Tu es.
Il est notre victoire. Est-ce qu'on peut acclamer Emmanuel? Emmanuel. Oh, l'acclamant, 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 l'acclamant. Venez me répondre aux places. Dieu veut mettre une gloire dans cette maison, en toi, toi, toi la maison, dis-moi, moi, moi. Il veut mettre une gloire qui va pousser les gens à te regarder et dire, je te vois là, je vois ta démarche, mais il y a quelque chose de différent quand je te regarde. Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas expliquer, mais il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Ah, c'est divin, c'est divin. Vous savez, les gens ont regardé Daniel sans savoir ce qu'il y avait en lui. Ils ne comprenaient pas. Ils ont dit, on voit en toi l'esprit des dieux. Ils ont dit des dieux parce qu'ils ne savent pas comment expliquer. Ils ont dit, on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. On ne sait pas très bien te discerner. On ne sait pas très bien te caser parce qu'il y a Dieu en toi. Dis un peu la gloire à la dernière maison. Ah. Oui, quand tu prends... Bien aimé, cette gloire se manifeste dans tout ce que tu fais. Tu peux être au restaurant, tu as commencé ton restaurant. Ton restaurant, les gens viennent manger. Mais quand ils mangent, ils se rendent compte que non, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il y a comme une révélation en eux. Ils se disent, on a besoin de Dieu. C'est-à-dire que les choses que tu fais touchent les vies des gens. Oui, c'est tu as ta maison de soins de beauté. Mais quand tu es en train de maquiller, Kamashantaba, Kasayaba, tu es en train de maquiller... Les masques de vieillesse partent en maquillant les gens. La dépression quitte les visages parce que tu es en train de... Les gens rajeunissent seulement avec le pinceau, l'onction, le pinceau. Dis un peu la gloire de Dieu. Ah, elle entre dans tout. Cette gloire entre dans tous les domaines, dans tous les domaines. Vous savez, je me rappelle, ça fait un peu comme David qui joue son instrument et pendant qu'il est en train de jouer, il ne dit pas au nom de Jésus. Il joue seulement, mais la gloire est tellement sur les doigts qu'il est en train de, pendant qu'il est en train de jouer, les démons de Saül disent non, ça c'est pas seulement la musique, ça c'est Dieu qui est ici. Est-ce que vous me comprenez? Cette gloire va te suivre partout. Vous pensez que Michael Jordan, il sait sauter pour mettre la balle? Attendez quand l'onction va te toucher. À ceux-là qui sont dans les actes, tu vas sauter d'ici. Les anges te transportent. Tout ça pour que Dieu montre qu'il est Dieu. Oh! Pourquoi on laisse les païens utiliser leurs démons pour faire des choses et gagner la confiance de l'humanité pendant que toi tu as Dieu? Laisse aussi que Dieu t'utilise pour faire des choses inouïes, infaisables, inexécutables, impensables, qu'on voit qu'il y a Dieu. Crie un peu la gloire de la dernière maison. Vous savez, on est allé prendre Daniel, on a fait de lui le chef des sorciers. Allez lire la Bible. Quand le roi a appelé les sorciers, dites-moi un peu ce que j'ai rêvé. Ils ont dit non, on ne sait pas. Il n'y a pas d'homme sur la terre. Daniel a dit, donnez-moi le cas, donnez-moi le dossier. Ça, ce n'est pas des choses pour les gens, même pas pour les sorciers, ils sont trop petits. Donnez-moi ce cas ici, c'est pour Dieu, c'est pour le Dieu qui habite dans les cieux. Oh, je prie que l'Éternel des armées commence à prendre des gens ici pour des dossiers intraitables sur la terre. Ah non, moi je reçois. Quand on va dire le cas dans cette famille c'est perdu, tu viens dire non, donnez-moi seulement ce cas-là, donnez-le-moi. Je connais un Dieu qui traite ces gens de dossiers, donnez-les-moi. Ça me fait penser, mon beau-père, mon feu beau-père, l'apôtre Gaston, un homme de Dieu, il avait, en même temps il était médecin, il avait... une clinique. Dans sa clinique, quand les gens venaient pour la consultation, les infirmiers étaient formés à la délivrance. Quand tu viens pour la consultation, on te regarde, on t'étudie d'abord. Shikabasaya. Ils viennent. Non, voilà, mon cas, pendant que tu parles,
on te scanne en esprit. Et puis on dit non, non, le cas ici, ça ce n'est pas pour les médecins. On t'amène dans une autre chambre à côté, à l'hôpital. Les médecins en robe et les infirmiers disent, madame, entrez par ici. On ferme la porte. Ikamashaka, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est ça la gloire de la dernière maison. Bien-aimé, il y a une femme. Il y a une femme qui est venue voir mon beau-père. Ah, elle était envoyée, vous savez par qui? Par un sorcier du quartier. En fait, la femme, je crois qu'elle cherchait le fétiche pour garder un mari ou je ne sais pas comment. Vous savez que ces choses existent. Mais à un moment, on lui a dit, maintenant c'est toi qu'on veut, ta vie. Elle dit, ma vie. Non, on lui a dit, si tu ne donnes pas ta maman ou bien ton père, tu as 2 semaines, c'est toi qui pars. Elle va chez plusieurs féticheurs, elle va chez le plus haut gradé pour lui dire, est-ce que tu peux renverser, reverse, comment on dit? Oui, renverser cette malédiction dans 2 semaines. Les sorciers, c'est tous, ils disent, non, vous savez quoi? Ce cas est trop compliqué. Va voir le médecin là. Il a quelque chose là, on ne sait pas, mais l'homme est trop haut. Il est plus élevé que nous. Cette femme là, elle est allée voir un sorcier qui lui a donné une poudre. Et cette poudre-là lui donnait les malaises comme si elle était enceinte. Et pourtant, l'homme qu'elle voulait était en mission pendant 6 mois en Europe. Elle, en Afrique, elle se retrouve enceinte. Elle ne comprend pas. Elle va chez mon beau-père, mon faux beau-père. Elle explique, elle dit, j'ai des... Comment on appelle ça? Les symptômes de grossesse. Ouh. Pendant qu'elle parle, mon beau Pascal, vous imaginez à l'hôpital? Oh, ça c'est l'hôpital, ça, c'est là qu'il faut aller. Bien-aimés, nous amenons des cas bizarres chez les médecins. Eux-mêmes, ils savent que ça, on ne sait pas. Ils vont te sortir un nom bizarre. Schizophrénie. Il y a des choses que je ne sais même pas. Comment on dit? Comme vous voulez là. C'est ça même. Non, il y a des choses que tu ne sais pas prononcer, mais c'est quand ils ne savent pas gérer, ils vont dire un mot bizarre, débrouille-toi avec ça. Non, mais je vous dis, bien-aimé, l'homme ne peut pas gérer les problèmes de l'homme. Il n'y a qu'un Dieu dans le ciel. Malheureusement, bien-aimé, la gloire de cette maison, elle va faire que les gens vont dire merci pour les médicaments, merci, mais je connais un endroit où il y a un Dieu qui traite. Cette femme-là, on lui fait la délivrance. Seigneur. D'abord, le papa lui dit, on va à la salle d'accouchement. Oh! Il dit, je ne suis pas enceinte. Il dit, non, ça va, allons. On la place sur la table. Dès qu'on dit au nom de Jésus, elle commence à pousser. Elle pousse. Elle pousse. Un crapaud atterrit. Bam! Quand elle pousse, les habits quittent d'eux-mêmes, sortent, les cheveux poussent. Donc, bizarre. À l'hôpital. Je vais vous dire une chose, bien-aimé, je vous pose la question. Quelqu'un de comme ça, quel hôpital va gérer ça? Et je vais vous dire une chose. Ne me dites pas que non, ça c'est des trucs en Afrique là-bas et vous faites des choses bizarres. Nous ici à Paris, on mange la côtelette de je ne sais pas quoi, blablabla. Bien-aimé, ces choses sont partout. Vous pouvez poser la question à mon épouse. Aux États-Unis, des gens qui sont nés aux États-Unis ne connaissent rien de l'Afrique. Ils connaissent simplement YouTube et tout ça. On a sorti des choses bizarres des vies des gens. Donc ne me dites pas que c'est aux États-Unis. Ok. Nous allons laisser Dieu se glorifier. Et voyons ce qu'il va faire. Mais je vais vous dire une chose, bien-aimé. Le monde ici a besoin de la gloire de la dernière maison. A besoin de toi. A besoin de toi. C'est pour ça que tu dois chercher plus. Tu dois chercher plus. Ce n'est pas optional. Maintenant, parlons de comment est-ce qu'on va activer cette gloire. Comment on fait pour que cette gloire soit provoquée? C'est vraiment de ça que je veux parler. Comment est-ce qu'on fait pour activer la gloire? Un moment, pasteur. C'est ça? C'est ça?
Mais ça ne me donne pas le temps. 30. Ok. Comment activer cette gloire? Comment faire qu'elle soit activée? Maintenant, je veux qu'on puisse retenir une chose. Ce qui attire Dieu dans les temples, ce n'est pas la beauté des murs, mais un meuble important dans ces temples-là qu'on appelle autel. C'est pour ça que vous voyez Dieu dire, par exemple, à Jacob, Genèse chapitre 35, verset 1. Si on parlait vite, comme ça, on va gagner le temps. Genèse chapitre 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, Dieu ne dit pas à Jacob d'aller lui construire une maison, mais Dieu se concentre sur l'autel et dit à Jacob, nous sommes dans Genèse chapitre 35, verset 1. On a trouvé? Ok. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Vous remarquez ici que Dieu dit à Jacob, va me dresser un autel. Il n'a pas dit, bâtis-moi une maison. En fait, je voudrais qu'on puisse se concentrer sur le meuble important qui est dans l'autel, qui est dans le temple, qu'on appelle l'autel. Vous allez voir, par exemple, que David n'a pas vraiment bâti un temple à Dieu, mais il a élevé un autel d'adoration. Est-ce qu'on peut encore dire autel? Ce qui intéresse Dieu maintenant dans le temple, ce n'est pas la beauté des murs, mais c'est le meuble là qu'on appelle autel. Vous verrez par exemple que dans le tabernacle de Moïse, il y avait plusieurs autels. En fait, il y en avait deux. Il y a l'autel d'airain et l'autel de parfum. L'autel, retenez ceci, très important, l'autel sert de porte d'accès. L'autel sert de porte d'accès à une divinité et permet à cette divinité d'entrer dans le domaine de la terre ou la dimension physique. Je répète, l'autel sert de porte d'accès. L'autel est une porte d'accès qui permet à une divinité d'entrer. Est-ce qu'on peut dire entrer dans le domaine de la terre ou la dimension physique afin d'opérer et de se manifester? Est-ce que ça va? L'autel donc est une porte d'accès à une divinité et permet à cette divinité d'entrer. Entrer. J'insiste sur le mot entrer. La porte est ouverte et elle donne à la divinité l'accès d'entrer sur la terre, d'entrer dans le domaine de la terre ou la dimension physique afin d'opérer et de se manifester. Lorsque Jacob fouillait son frère Ésaü, je reviens d'abord, est-ce qu'on a tous compris la partie de l'autel? Est-ce qu'on peut dire que c'est une porte? À la limite, on s'arrête là. L'autel est une porte. Une porte. C'est un principe important parce qu'aucun esprit ne peut fonctionner sur la terre sans avoir une permission quelconque et sans passer par la porte légale. Ça va? Et donc, Dieu étant esprit, a besoin de l'autel. Ce qui fait que l'autel devient important pour Dieu. Me comprenez? Ça devient très important pour lui. Il a besoin de cet autel. Parce que c'est par cet autel qu'il peut traverser l'invisible, passer dans le visible. Sans cet autel, Dieu n'est pas visible. Il a donc besoin d'un autel qui devient comme une porte pour lui. Et par cet autel, il peut accéder sous la terre et exécuter sa volonté. Et donc l'autel devient la porte légale. Est-ce qu'on dit légale? Ok. Lorsque Jacob fouillait son frère Ésaü, il arrive à un endroit qu'il a plus tard appelé Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Il a appelé cet endroit Bethel, maison de Dieu, parce qu'il a réalisé que sur cet endroit-là, il y avait des transactions divines qui prenaient place et que Dieu se manifestait à cet endroit-là. Il a donc fini par appeler l'endroit Bethel, la maison de Dieu.
Lisons un peu dans Genèse chapitre 28, verset 17. La Bible dit, il eut peur. Et dit, est-ce qu'on peut lire ensemble comme une famille? On y va deux. Vous pouvez lire? Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de... Et c'est quoi? Makayasha. Bien aimé, un endroit sur la terre appelé porte des cieux. Faut pas m'énerver. Est-ce que vous me suivez? Un endroit sur la terre appelé porte. En fait, voilà. Je prie que ta vie devienne ta vie à toi. Devienne ta vie. Devienne la porte des cieux. Ça veut dire que quand tu marches, le ciel est en train de passer par toi, toucher les malades, guérir les paralytiques, transformer les vies. Tu es la porte des cieux. Et la Bible dit que cet endroit était sur la terre. Maintenant, ma question est celle-ci. Comment un endroit peut devenir la porte des cieux? Au point où, même quand il n'y a personne, Dieu est en activité. Parce que Jacob est venu trouver Dieu là en train de travailler. David, non. Jacob vient, il trouve Dieu. C'est comme s'il trébuche. Oh, il y a Dieu ici. Donc, ce n'était pas Jacob qui a provoqué la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que cet un endroit sur la terre devienne la porte des cieux? Pour bien comprendre ça, en fait, on va bien toucher ça demain. Mais je vous donne juste un aperçu. Vous voyez, Abraham, le papa, le grand-père de Jacob, avait au même endroit élevé deux autels. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13. Il a élevé les autels deux fois. Ces autels, dès qu'un autel est élevé, l'autel devient un quartier général ou une adresse où Dieu est en train d'opérer. Mais même quand Abraham est parti, l'autel... Bien-aimé, écoutez, nous ne sommes pas venus perdre de temps. Nous sommes en train de parler du business du royaume. Ça veut dire ceci, que tu ne peux pas quitter cet endroit sans élever un autel et que même quand tu pars, ta famille continue à venir, les enfants continuent à venir, les enfants continuent à venir, les gens continuent à venir, la nation continue à venir, les gens continuent à venir toucher Dieu. Ah, c'est pour ça que nous sommes là, élever des autels qui vont maintenir la gloire de Dieu. Ah, Seigneur. Abraham part, son fils vient. Il jouit de la même gloire que son père à cause de l'autel que le papa a laissé. Ah non. Il y a des parents ici qui doivent laisser quelque chose pour leurs enfants. Nous sommes ici pour laisser quelque chose pour notre génération. Même quand nous, on ne sera plus là, ils vont dire, il y a un endroit, on connaît un endroit. Ils ont bâti un endroit, ils ont construit un endroit, ils ont élevé une bâtisse, un bâtiment pour Dieu, là où les gens peuvent venir, continuer à venir. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse, pour ICC, le bâtiment que nous nous apprêtons à construire, ça sera un endroit, qu'on appelle Bethel, hein? Un endroit où les gens pourront venir dire, on a appris que Dieu est là-bas. Même quand nous, on ne sera plus là. Mais les gens vont continuer à venir dire, ils nous ont laissé un vrai Dieu. Ah, écoutez, Jacob fait deux choses remarquables. Genèse 28, 22. Dès qu'il découvre que Dieu est là, il fait deux choses remarquables. Genèse 28, 22 dit, cette pierre, lui il vient, il trouve déjà un autel. Et puis il dit, lui aussi il dresse un autel au même endroit. Il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu était déjà là. Et puis il dit, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. J'ai voulu mettre ce verset-ci expressément.
Parce que je pense qu'il y a des démons qu'on doit frapper dans la francophonie. On n'aime pas parler d'argent dans l'église comme si c'est quoi. Bien aimé, il a dit ici, la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est un principe très important, je reviendrai sur ça. Mais bien aimé, tu veux bâtir un hôtel. Regardez, remarquez bien que si la dîme ne fait même pas partie, parce que non, la dîme, non, il ne faut pas donner la dîme parce que ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Mais ici, Jacob, il n'est même pas ni dans l'Ancien Testament. Parce que la loi est venue avec Moïse. Donc, quand on parle des dîmes dans la loi, c'est avec Moïse. Et lui, il est venu avant Moïse. Il parle déjà des dîmes avant la loi de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un principe spirituel. Ce n'est pas une histoire de donner l'argent. Non! C'est un principe spirituel pour provoquer Dieu. Mais regardez ce qu'il a fait. Que Dieu nous aide. Je sais pas, on ramasse des théologies par-ci, par-là, sur des sites, partout, et on mélange des choses. On ne sait même plus ce qu'on fait. La dîme ici, vous voyez, il a associé la dîme à son hôtel. Je reviendrai sur ça. Ça, c'est stratégique, si tu veux provoquer. Parce que l'essentiel, ce n'est pas d'avoir un hôtel. C'est ce qui se passe à l'hôtel là qui est important. Ok, regardez ceci. J'ai dit que l'autel permet une divinité d'entrer dans le monde, d'entrer dans le... Comment? Ah, qui a retenu? Ok, zéro tout le monde. C'est quoi? L'autel, oui? Voilà, d'entrer dans le physique. Ok, suivez-moi. Mais j'ai dit qu'une divinité, je n'ai pas dit Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un principe spirituel. Un esprit a besoin d'un hôtel pour fonctionner, opérer sur la terre. Et ce principe spirituel marche même pour les païens, ils font la même chose. Ils ont aussi leurs hôtels, ils invoquent leur divinité. C'est pour ça que vous allez voir que, ici je voudrais parler de quelque chose d'important. Vous allez voir par exemple que quand, pour récupérer le pays à Dieu, Élie est allé confronter les prophètes de Baal. Mais chacun devait amener son hôtel. Vous vous rappelez? Chacun amène son hôtel. Tu dresses ton hôtel, je dresse mon hôtel. On va voir qui est Dieu ici. Bien aimé, ça c'est très important. Pourquoi je dis ça? Nous sommes arrivés, nous sommes dans une génération où les choses sont devenues trop compliquées. On ne peut plus venir juste parler de Dieu et on ne sait pas manifester Dieu. Non, 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 non. Ah, bien aimé, si tu dis que tu as Dieu, nous voulons aussi le voir. Parce que si tu ne peux pas le démontrer, tu ne peux pas récupérer les choses. Dieu veut réquisitionner les choses, mais il a besoin de gens qui peuvent démontrer, qui peuvent recevoir Dieu et le manifester. Ce sont ces gens-là qui vont récupérer. Chaque fois que tu veux manifester la gloire de Dieu, il y aura opposition. Il y aura opposition. Les gens de foi ont peur de l'opposition. Mais bien aimé, je veux te dire une chose. Ceux qui sont victorieux, c'est ceux-là qui décident d'aller frapper Goliath et le terrasser. Si tu veux posséder quelque chose, tu dois apprendre à déposséder d'abord avant de posséder. Donc, n'aie pas peur de combat. Va au combat et que Dieu te donne la victoire. Et le monde sache que tu as un Dieu. C'est ça. Faut pas avoir peur de combat. Il faut les gens qui disent, non, en tout cas, je suis fatigué. Ma vie est pleine de combats. Ma vie est toujours compliquée. Je souffre trop. Bien aimé, tout le monde souffre. Tout le monde paye le prix. Tout le monde décide de combattre son Goliath. Tout le monde doit terrasser les géants fils d'Anak. Tu dois faire ça. Va te battre. Va te battre. Va te battre. Va te battre. Dis un peu hôtel contre hôtel. Je voulais que nous puissions comprendre que ce n'est pas parce que Dieu t'as promis quelque chose que tu vas nécessairement le manifester. Si tu ne sais pas établir un hôtel imposant qui peut révéler le grand Dieu qui est dans le ciel, même si Dieu t'a promis, ça ne va pas se manifester. Parce qu'il y a d'autres hôtels qui réclament ta destinée, réclament ta vie, réclament ton futur. Et ces hôtels, des fois, parlent beaucoup plus fort que ton hôtel à toi. Laissez-moi vous prouver quelque chose qui m'a choqué dans la Bible. C'est le dernier passage qu'on va lire. Allons dans 2 Rois,
chapitre 2 Rois, chapitre 3, verset 18. On a trouvé? Ah là, vraiment, on a besoin de tous lire. 2 Rois, 3, 18. Je vais lire. Mais c'est là peu de choses. Aux yeux de l'Éternel, il livrera Moab entre vos mains. Est-ce qu'on peut dire il livrera Moab entre vos mains? Est-ce qu'on peut encore dire Dieu livrera Moab entre tes mains? Dis à quelqu'un, il livrera Moab entre tes mains. Ok, je veux que vous suivez très bien l'histoire. Ici, c'est le prophète qui parle. Et le prophète dit au roi d'Israël et de Juda, Dieu livrera Moab entre vos mains. Dieu a promis qu'il fera quoi? Il livrera Moab entre vos mains. Et puis il dit, vous frapperez. Maintenant, écoutez, il explique comment, qu'est-ce qu'il va livrer Moab. Il dit, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. On a vu comment la description de comment est-ce qu'ils allaient remporter la victoire, n'est-ce pas? Maintenant, allons au verset 26. Le verset 26, lisons ensemble. Le roi de Moab, on y va? Oh, c'est pas là, ok. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi de Dom, mais il ne... Bien aimé, il a donc ici, il perdait lamentablement, il prend 700 personnes armées d'épées pour se frayer un chemin et fuir. Ok. Verset 27. La Bible dit, ils ne purent pas. 27, maintenant verset 27, on y va tous deux, on y va deux. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son... Bien-aimé, ils sont retournés dans le pays sans toucher le roi de Moab. Pourquoi? Parce qu'il a offert un sacrifice qui a provoqué une force contre Israël. Malgré les promesses de Dieu, le sacrifice était tellement fort qu'Israël a dit, ah, ah. Non, ne dites pas non, bon, ils étaient indignés. C'est une force qui te décourage. Tu ne comprends pas pourquoi tu es découragé, tu ne sais pas avancer. Il y a un hôtel qui dit, non, non, non. Si tu arrives à 10 000 dollars, tu ne peux plus dépasser 10 000 dollars. Si tu arrives à tel seuil de travail, tu ne peux plus dépasser ça. Il y a une force qui résiste le progrès et le plan que Dieu a pour toi. Regardez-moi ça. Malgré la promesse de Dieu, il ne savait pas percer. Ah, bien-aimé, l'ennemi a appris à ériger des autels, faire des libations, offrir des chèvres et même des sacrifices humains pour bloquer ta destinée, opposer ton progrès, prendre en otage ta famille et tes biens. Mais Dieu a érigé le plus grand autel que le monde n'a jamais connu à Golgotha. C'est le plus grand autel que le monde n'a jamais connu à Golgotha avec un sacrifice parfait qui est Jésus-Christ. Et il a libéré assez de puissance et de force pour réquisitionner ta destinée d'entre les mains du diable, pour réquisitionner tes biens, pour réquisitionner ton pays. Ah, l'autel de Golgotha a libéré assez de puissance pour te libérer. Bien-aimé, il n'y a aucun hôtel satanique qui pourra tenir devant Golgotha. La Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Faut pas m'énerver. Dieu a érigé cet hôtel pour récupérer ta vie. Il a érigé cet hôtel pour récupérer ta vie. Dis un grand amen. C'est pour ça que l'un des 24 veillards a dit à Jean d'Apocalypse, ne pleure pas car voici l'agneau. Oui, il a la solution. Il a la solution. Il a payé le prix pour récupérer. Dis un peu, il a payé le prix pour récupérer.
Demain, nous allons apprendre comment activer les bénéfices de cet autel-là. Parce que tu dois comprendre non seulement que l'autel existe, mais quoi faire pour faire taire les autels des sorciers? Quoi faire pour faire taire les autels sur lesquels on a... Vous savez, c'est vrai, ils font de libation, ils mettent des... Je vais vous dire une chose, il n'y a pas que les chrétiens qui... Malheureusement, les chrétiens ne comprennent pas ça, mais les païens comprennent très bien. Quand on leur dit, viens offrir ton enfant ou quoi, le monsieur ne va même pas hésiter. Ils savent que c'est comme ça que ça marche. Nous, en fait, on sert Dieu avec négligence. On fait du à peu près avec Dieu. Ce qui fait que notre autel ne parle pas vraiment. L'autel ne parle pas vraiment. Mais bien aimé, avant la fin de cette conférence, nous allons faire parler l'autel. Nous allons faire parler l'autel. Bien aimé, avant la fin, nous allons faire parler l'autel. Ton autel va parler. Il parlera pour toi. Ton autel parlera. Il parlera. Oh, mon Dieu. Nous allons nous arrêter là. Demain, nous allons continuer. Nous allons parler de comment activer l'autel et faire parler l'autel. Mais en attendant, nous devons arracher, défaire, renverser ces autels qui ont été élevés et qui crient dans nos vies pour réclamer nos vies. Bien aimé, qu'on prenne le temps sérieux de dire je renverse tous ces autels contre moi qui parlent contre moi. Écoutez, Dieu a dit ceci à Gédéon. Il dit avant d'aller en guerre, va d'abord renverser l'autel de ton père. Ça ne doit pas rester. Parce qu'aussi longtemps que cet autel est là, cet autel va continuer à parler contre toi. Tu essaies d'avancer, tu essaies d'aller en guerre, mais l'autel continue à parler contre toi. Dis, renverse d'abord l'autel. Bien aimé, je veux qu'on prenne quelques minutes où tu vas parler contre cet autel-là. Dieu dit ceci à Jérémie, arrache, déracine, renverse. Tu vas, lèvons-nous bien aimé, lèvons-nous. Nous allons arracher, déraciner, renverser. Pendant que nous serons en train de prier, je veux que bien-aimé, tu sois concentré. Parce que quelque chose va prendre place. Pendant que nous serons en train de parler, de prier, tu dis à Dieu, je ne peux plus accepter. Où que cet autel soit, que ce soit dans mon village, dans mon quartier, dans le territoire, mon Dieu Père, dans la ville où je vis, mon Dieu, je renverse ces autels au nom de Jésus. Je refuse cet autel. Je renverse cet autel au nom de Jésus. Bien-aimé, élevons nos voix, on y va. Dis à Dieu, Père, au nom de Jésus, je viens renverser ces autels. Je refuse les autels qui sont levés contre ma vie. Au nom de Jésus, tout autel qui a été levé dans mon quartier, dans mon village, contre ma vie, partout on invoque mon nom, partout on invoque mon nom, partout on invoque mon nom pour maudire ma vie, je renverse l'autel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ces autels ne tiendront pas, ces autels ne tiendront pas. Ces autels ne tiendront pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je résiste. Je résiste. Je résiste. La force de l'autel. La force de l'autel. Au nom de Jésus. Bien-aimés, on y va, on y va, on y va. Refuse. 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 L'influence de l'autel. L'influence de l'autel. L'influence des autels dans ta vie. Refuse. 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 On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Shakaya masataya baba. Ramakantama shakaya baba. Father, I release your fire all over the building. I release your fire all over the building. In Jesus' name. In Jesus' name. I proclaim victory. In Jesus' name. Mon Dieu, je libère ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Mantakayaba Shakayaba. Je libère ton feu. Au nom de Jésus. Hey. Hey. Feu de Dieu. Consume les autels. Consume les autels. Consume. Rama mama 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 akama shakaya baba. Hey, hey, hey. Dis à Dieu, cette fois-ci c'est la fin. C'est la fin de ces hôtels.
C'est fini avec ce hôtel. Ah, parle, 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 parle. Parle, parle, parle. On y va, on y va, on y va, on y va. Père, je libère ton feu. Feu de Dieu, consume les hôtels maintenant. Feu de Dieu, consume les hôtels maintenant. Feu. Feu. Partout où vous êtes, partout où tu es, je localise ce démon. Je localise ce démon. Tu ne vas pas te cacher. 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 Parlez à Dieu, continue à parler à Dieu. Au nom de Jésus. 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 Pendant que nous sommes en train de prier, il y a quelqu'un ici, c'est une sœur. Tu souffres de saignement depuis 3 mois. Ça va faire 3 mois. Je veux que tu viennes de ce côté-là à droite. 3 mois, tu viens. On va démolir cet hôtel qui parle contre toi. Tu passes là-bas. Je sais que cet appel que je vais faire ici est bizarre, mais il y a quelqu'un ici. Tu smoke. Tu fumes. Tu as vraiment souffert de ça. C'est pas que tu aimes ça, mais c'est too much. C'est plus que toi, tu as essayé. Vous savez, j'ai aimé ce que le pasteur Ivan a dit hier. Il y a des choses que Jésus vient parce qu'il sait que c'est le diable. Si tu es victime, il y a une agression de l'ennemi contre toi. Je veux que tu passes de ce côté si je vais prier pour toi. Et s'il y a quelqu'un qui souffre d'une addiction quelconque, passe là-bas. On va prier pour toi et puis on va t'envoyer dehors pour essayer pour voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Lève ta main, tu dis, Père, au nom de Jésus, cet autel ne pourra plus parler contre moi. Je renverse au nom de Jésus. Sang de Jésus, tu parles pour moi. Sang de Jésus, parle pour moi. Sang de Jésus, défends-moi. Sang de Jésus, défends-moi. La Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, parle pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.